Juin 1994, Jérôme Bel est présenté à la Ménagerie de Verre, et ça s'est élaboré où? Chez toi, dans ton appartement, comme nom donné par le... Ouais, alors là, même plus précisément dans la salle de bain. Ça s'est fait... Jérôme Bel dans la salle de bain. Ah bah oui, parce que vu ce qu'on faisait, on répétait plutôt dans la salle de bain, pour pas dégueulasser tout. Là, justement, posons cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un spectacle de danse? Parce que normalement, je devrais faire un spectacle de danse, et je voudrais faire un spectacle de danse. Mais j'y suis pas arrivé la première fois. Je fais un spectacle de... Bon. Un spectacle. Un spectacle, voilà. Un spectacle de Jérôme. Voilà, l'auteur autogénéré. Donc là, je me dis, alors bon, il faut vraiment reprendre. Alors, il faut reprendre même avant, si tu veux. La question que je m'étais pas posée, il faut que je me la pose maintenant. Mais qu'est-ce que c'est qu'un spectacle de danse? Parce que je suis pas arrivé. Et donc là, je définis en 10 minutes qu'un spectacle de danse nécessite des corps vivants, de préférence, qu'il y en a deux dans l'humanité, que c'est l'homme et la femme. Donc il me faut un homme, une femme, qu'il me faut de la musique, a priori, bon, parce que a priori la musique est... Parce qu'un spectacle de danse sans musique, c'est pas un spectacle de danse. Voilà, voilà. Mais non, c'est ça, je joue, bon, je vais faire mon cahier des charges et je vais répondre, je vais en faire un. Et donc de la musique, donc je me dis très bien, on va avoir de la musique, et de la lumière. Bon, voilà. 3 éléments, des corps, de la musique et de la lumière. Bon, ensuite, il y avait cette histoire d'enlever tout, de rien avoir. Donc, je me dis, on va les mettre tout nus. Ensuite, la musique, je me dis, ah, ça serait bien qu'elle soit tout nue aussi. Toute nue, la musique. Qu'est-ce que c'est que la musique toute nue? C'est pas un instrument. Ah, évidemment, c'est pas un outil. Ça c'est pas de la nudité, disons. Donc, on va mettre quelqu'un, on va mettre la voix. Donc, la voix, sans outil, ça peut être que quelqu'un qui chante live. Donc, je dis, OK, on va prendre ça. Et la lumière, on va prendre le soleil, puisque c'est la lumière toute nue. Bon, si on est tout nu et qu'on doit prendre le soleil, on a peu de chances de jouer quand même dans les théâtres. On ne jouera pas dans les théâtres déjà, donc ça posait un problème. Et je décide donc de prendre la première lumière électrique, hein, qui est donc l'ampoule de Thomas Edison. Et on se dit, très bien, donc on va faire... Donc il y aura deux danseurs, enfin deux corps plutôt, hein, deux corps qui sont à zéro, donc déshabillés. Ensuite j'ai vu qu'on pouvait pas être à zéro parce qu'on avait ils avaient les cheveux. Donc ça c'était assez dramatique pour moi, mais j'ai pas réussi à les convaincre d'avoir des coupes de cheveux non reconnaissables. Parce que là, c'est encore des signes. Si tu veux, Claire avait un carré, Gisèle avait une choucroute. Non, j'exagère. Des trucs. Bon, j'ai pas pu aller complètement les. Pour les désignifier. Mais... Pardon, les. Pour les déshistoriciser. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça. Même nu, si tu veux, c'était bon. À la fois, c'était ça qui était pas mal. Donc, par exemple, je me rappelle que dans le spectacle de Boris Charmatz, Herse, justement, ils sont nus et ils ont des perruques. Et ça, et je pense que c'est peut-être différemment, mais un peu le même problème, quoi. Ça j'avais beaucoup aimé, ça, parce que j'avais eu le même problème avec les jeux. Et donc, ils sont... donc, on se dit... Enfin, je me dis, parce que je travaille absolument seul sur ce coup-là. On va les mettre à zéro. Et la danse, finalement, va être une production arithmétique de 1, 2, 3, 8. C'est la danse comme un plus que le corps. Et je commence à travailler tout seul avec mon propre corps. Ça, c'était pas mal aussi, parce qu'il y avait ce côté... J'avais besoin de personne, puisque je l'avais. Et ça, je m'en suis aperçu a posteriori. Pourquoi? Parce que ce spectacle a eu quand même... Même moi, je peux le dire, des répercussions énormes. C'est-à-dire que là, j'avais le sujet en or. C'est-à-dire que quand je vous ai dit ça, j'ai travaillé sur mon propre corps, tout le monde a un corps. Parce que là, tous les gens qui sont là, au moins, s'ils n'en ont pas, ils ne sont pas là. Et donc là, c'était le sujet. C'est-à-dire que l'identification était totale. Personne ne peut faire l'économie de son corps. Évidemment, c'est après que je m'en suis aperçu quand j'ai vu les réactions, quoi, les réactions d'une force. Donc ça, c'était... Donc je travaille tout seul, dans ma baignoire, papapi, papapa, je me fais des trucs, j'écris, je lis le Lévi-Strauss, Triste Tropie, donc ça me passionne. Sur le fait des habitus sociologie avec le corps, enfin donc tout est construit culturellement. Tu vois, je lis beaucoup de livres d'enfants aussi toujours quand je commence mes trucs. Je lis des livres d'enfants. Donc sur le corps, par exemple dans ces livres ils te disent que tu éternues à 200 km/h. À la fin, quand la vitesse sortie de l'air est à 200 km/h, enfin un truc comme ça, tu vois, à 90, je sais pas. Ah oui, même plus. Des choses très... Et donc, et comme c'était ça l'objet d'étude de cette pièce-là, je commençais à collecter tout ce genre de choses. Des choses comme ça. Bon, après, j'ai pas réussi à le montrer sur le plateau, donc j'ai laissé tomber, mais... Enfin, tu vois, des vitesses comme ça, en bougeant, je peux pas avoir. Donc je me dis, attends, mais il y a des choses qui sont encore plus impressionnantes que ce que le meilleur danseur peut faire. Des vitesses, alors les vitesses, on aime ça en danse, enfin, c'est une valeur, ouais, c'est quand même grisant. Et donc, cette recherche comme ça, donc, tout seul comme ça, oui, donc Lévi-Strauss, voilà, et aussi, donc, qui est très important, c'était ce truc du culturel, de la détermination culturelle sur le corps. Tu vois, par exemple, lu que la partie la plus érotique chez les Coréennes était la nuque. Alors, donc, la plus valorisée érotiquement par la culture. Ouais. Ouais, tu vois, bon, en Occident c'est différent, etc. Donc tout ça m'intéressait. Chez les Pygmées, le sentiment de l'amour, c'est oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Ça veut dire je suis très amoureux. Ça m'amusait beaucoup de voir que c'était... Alors qu'il y avait une espèce de degré zéro qui finalement s'effritait après 3 livres, si tu veux. Il n'y a pas de degré zéro, enfin c'est un degré zéro occidental, machin. Donc par exemple, une des pires critiques qu'on ait fait de Jérôme Bel, des gens qui adorent le spectacle en disant c'est universel. Des gens... connu dans ce milieu, qui était hallucinant. C'était exactement le contraire que dont le spectacle parlait. Voilà, donc j'ai écrit une suite d'actions sur ce corps. Donc, par contre, il y a eu une des faiblesses de la pièce, c'est ce que j'ai écrit pour la fille. Hein, donc, par contre, j'ai pas. Et là, il y a vraiment la différence, c'est-à-dire que il y a des féministes qui me sont tombées dessus, et à juste titre, sur des représentations de la femme qui sont dans le spectacle. Parce que, comme c'est moi qui écrivais, il y a des sensations que je n'aurai jamais, enfin que les hommes n'auront jamais. Quoi, par exemple? Ben, par exemple, quand elle écrit la date de sa défloration. Hein? Donc lui écrit un moment sur son ventre, autour de son nombril, il écrit sa date de naissance. Donc on voit bien qu'il y a une marque sur le corps et on date cette cicatrice. Le nombril est une cicatrice. Donc, ce qui m'intéressait, c'était toujours, j'ai toujours cette interrogation, cet outil du temps et de l'espace, qui forme la danse, pour moi, sur le corps. Donc je me dis, je pose ces questions-là, je dis, où est-ce que sur le corps, il y a du temps et de l'espace ? Je demande à Claire Haenni donc, je lui pose la question, elle dit, bon, est-ce que tu te rappelles de la date de ta défloration? Souvent, ce que les jeunes filles se rappellent assez souvent, j'avais interrogé plusieurs copines, et encore plus intéressant, je m'étais aperçu, enfin, en les interrogeant, que souvent c'était... à des dates très précises du calendrier normal, c'est-à-dire souvent on avait le 14 juillet. Claire est le 25 décembre. C'est-à-dire réunion de famille. Et un cousin un peu entrepreneur. Et plusieurs filles, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu vois, donc l'autre, enfin celle du 14 juillet était bourrée. Ben bon, voilà, l'alcool, c'est effectivement, c'est à ces moments-là que c'est fait pour ça, hein, toutes ces fêtes pour avancer un peu plus vite. Et là, il y a des femmes qui sont venues me voir en disant que c'était pas l'endroit de la sensation du tout. Oui. Et moi, je l'ai pris, oui, un peu symboliquement, si tu veux, le pubis, alors que c'est pas, puisque là on parlait du corps, enfin il fallait être clair. Et puis en plus, on essayait d'éviter tout symbolique. C'était pour moi, de toute façon, c'est toujours pour moi l'horreur. Hein. Il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de métaphore. On fait les choses et on parle de un chat, une bite, une bite. Et donc, bon, par exemple, des choses alors qu'elle aurait dû vraiment l'écrire comme ça. Et bon, si tu veux, théâtralement, ça posait quand même. En tout cas, on ne voulait pas. Enfin, on avait nos limites aussi. Hein, ça, c'est évident. Ça, c'était intéressant, cet aspect de. Enfin, d'être l'auteur comme ça et pourtant de louper plein de trucs parce que je pouvais pas me mettre à la place de... Voilà, ça c'est... Mais Jérôme Bel, je pourrais en parler des... Alors, réduction de tous les paramètres et réduction des moyens. Ouais. Hein, pour Donc, la lampe, hein, Thomas Edison, je trouve une personne qui va faire l'éclairagiste, en fait, et qui va trimballer la lampe du début à la fin du spectacle. Pour éclairer chaque action. Pour éclairer les actions. Alors, les actions, on a besoin... voilà, on a besoin que de deux espaces, on a besoin du fond du plateau, parce que moi, je voulais... Donc, j'utilisais la boîte noire. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à utiliser cette comparaison de la boîte noire et de la page blanche, C'était les années... ça carburé. Et donc, je voulais qu'on écrive. Ah, il y avait une question aussi dans Jérôme Bel d'inscrire, si tu veux. C'est insupportable malaise de ma part par rapport à l'éphémère de la danse. Donc, de tout le temps écrire le plus possible. Écrire sur le corps, écrire sur les murs du théâtre, essayer de laisser des traces. Et les traces qui sont aussi... évidemment, ce que je parlais de la cicatrice sont des traces. Lui, il montre ses grains de beauté, c'est des sortes de traces. Il y a une autre entrée du spectacle qui est que on devait inscrire, laisser des traces et aussi effacer ces traces même qu'on aurait écrites pendant, qui aurait tenu 30 minutes à 50 minutes comme dure le spectacle. Le temps du spectacle, c'est ça. Donc, ce qu'il me fallait, moi, c'était des mots. Alors là, ça je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César ou rendre à Godard ce qui est à Godard, tout simplement. C'est-à-dire c'est tout ce jeu qui va durer aussi encore un moment sur les mots et les lettres. Dans Passage, il y a Sage, enfin dans Yougoslavie, il y a Vie. Donc ça, oui, ça Godard, il faut bien le dire aussi, sans lui. Ce qu'il me fallait, c'était écrire les noms des gens, les noms des... Il fallait nommer... les acteurs de la pièce, le musicien, il fallait le nommer, l'acteur, il fallait nommer son nom d'acteur, lui, ce qu'il est, c'est-à-dire Frédéric Seguet. La musique, ça allait être Stravinsky, mais je ne le savais pas encore, il fallait nommer. Donc, ce qu'il me fallait, c'est-à-dire, il me fallait trouver deux musiciens, dont le deuxième musicien serait formé à partir des lettres du premier musicien. C'est-à-dire une sorte d'anagramme, hein, c'est-à-dire à l'intérieur des lettres du musicien que je choisirais, en effaçant des lettres, et qu'elles soient dans l'ordre, apparaissent, c'est-à-dire en enlevant des lettres dans un nom, il y avait un autre nom. Donc l'exemple le plus con, c'était le premier, c'est-à-dire Frédéric, il enlève Fred et reste Eric. Et à ce moment-là, un autre acteur arrive sur le plateau, qui s'appelle Eric. Donc il y était aussi le truc assez aberrant qu'on a fait, c'est qu'on a quand même fait, quand j'ai eu cette idée, on a fait des auditions d'Eric. On avait besoin de quelqu'un, mais c'était pas qu'il soit bon acteur ou pas bon acteur, parce que là il fait que chanter, mais c'était qu'il s'appelle Eric. Donc on a répété, tiens-toi bien, non mais on a répété avec un type qui s'appelait Ulrich. Parce qu'il s'appelait Ulrich, donc c'était, mais pour la répétition ça allait. Pour l'audition, il s'appelait Ulrich. Et le type, il connaissait le rôle et tout ça. Il dit, mais je peux pas partir en tournée. Je fais, ben non. Tu t'appelles pas Eric. mais sérieusement, comme ça. Je disais, non. Le type, il connaissait le rôle et tout. Enfin, il avait appris. Et il faisait la doublure parce qu'il s'appelait que Ulrich. Mais j'étais, mais si tu veux, ça me traversait pas l'esprit que... Non, c'était... J'ai parlé tout à l'heure du désir de réel. Il y avait de faire des choses vraies, quoi. Il y avait ça qui était... Ils étaient nus, c'était eux, ils mettaient leur nom, si tu veux, c'était... le corps, c'était la chose vraie, c'était pas des fontanes, c'était la chair, quoi. C'était ce qui est là. Bref, Eric, donc pour en terminer avec Stravinsky, j'espère que je fais un peu, mais je fais toutes les entrées, mais c'est vrai que c'est construit comme ça, formellement, donc Stravinsky, donc je passe, mais je t'assure, des heures dans les dictionnaires de musiciens, donc moi je voulais absolument Madonna, terminer par Madonna. Madonna est bon, la pop star du XXe siècle, et là on était au XXe siècle donc encore, et donc j'efface, si tu veux, j'ai choisi Mozart, Amadeus, Wolfgang, j'ai essayé de trouver Madonna, en gommant, tu vois, en recopiant et gommant les lettres pour essayer de trouver Madonna. Et je trouve pas Madonna. Monteverdi, je trouve pas Madonna. J'ai Prince, je trouve pas Prince. Et un jour, par hasard, en feuilletant un Télérama, je vois... Puisque c'est Stravinsky, Igor, évidemment j'avais déjà l'idée, prenons le Sacre du Printemps. Donc si tu veux, je me... Connecté, je me branchais totalement avec l'histoire de la danse, avec vite fait, bien fait. Avec l'histoire de la modernité chorégraphique. Oui. Tu n'as pas choisi Tchaïkovski? Non, j'ai pas choisi Tchaïkovski. Non, tu as raison. Mais j'ai encore choisi une œuvre de rupture. Bon, alors, quand même, j'ai... tu vois, j'aimais la pédale douce, parce que d'une certaine manière, j'ai pas utilisé les 90 musiciens et Boulez et tout ça. Donc, puisque... Et en même temps, ça m'arrangeait bien. Enfin, c'était une trouvaille de demander à Iseu, donc cet ami, de le chanter, donc elle toute nue sur scène, parce que tout le monde serait tout nu, hein. Donc Iseu, nu, qui chanterait le Sacre du Printemps. Donc, moi, évidemment, comme je l'ai déjà dit 3 fois, nul en musique, je lui dis même pas est-ce que c'est possible. Je fais, bon voilà, tu apprends le Sacre du Printemps et on se retrouve dans 15 jours. Voilà, elle a mis 2 ans hein, pour l'apprendre. Non, 1 an. Et si tu veux, et ça c'était pas mal, c'était mon manque de connaissances musicales m'ont permis de dire je fais ça. Et elle m'a dit mais comment? Je fais bah je sais pas. Et elle m'a dit bah on pourrait écouter une version, regarder la partition et choisir les instruments qu'on entend le plus. Donc on a choisi le boulez et avec le stabilo on a la partition. Et elle me dit, ah non, ça c'est les cuivres, ça c'est les... Et on a fait comme ça une espèce de ding 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 de partoche pour elle. Oui, de choix des pupitres. Le choix des pupitres. C'est le seul moyen. Et je lui demandais de chanter ça mal. Je lui demandais de chanter ça, pas comme une cantatrice, qu'elle n'est pas une cantatrice professionnelle, mais elle techniquement, voilà, elle fait du chant. De chanter, je voulais qu'elle chante le Sacre du Printemps comme quand on chante sous la douche. Donc c'était tout un travail de déplacer la voix, chose que je fais moi de manière par pure... oui, spontanément. Spontanément, comme ça je sais pas très bien, et d'ailleurs j'ai toujours du problème avec ce truc-là. Elle chante... Comme si elle pensait à autre chose, comme si elle se savonnait les aisselles. Comme elle chanterait Sting, en fait. De mettre... Bon, c'est toujours encore cette même chose, de mettre... de banaliser, si tu veux... Déhiérarchiser, oui, c'est ça, exactement. Déhiérarchisation, et aussi de coller des choses dans Stravinsky à Sting, si tu veux, c'est... On les met à côté. En tout cas, moi, je les mets à côté. Sur un même plan. Je les mets sur un même plan, c'est un moment différent, c'est... Bon... Et je lui demande de chanter, oui, le Sacre, qui est a priori une musique, enfin, qui est une musique savante, qui est une œuvre importante de l'histoire de la musique, comme une rengaine de pop anglaise. Pop, ouais. Voilà. Oui. Donc, en tous les cas, pour le moment, on voit il y a deux opérations, hein, si on veut réduire et synthétiser les données. Une opération de réduction des paramètres qui vont constituer le spectacle et une opération de déhiérarchisation. Ouais. Je pense qu'il y en a d'autres. Mais dans JB, il y a ça, puisque un autre des éléments, c'est qu'ils donnent leur information physique au début. Hein. Mm-hmm. Ils donnent leur numéro de téléphone, l'état de leur compte en banque, leur âge. Donc, qu'il n'y ait aucune déhiérarchisation, si tu veux, du plateau par rapport à la salle. Mm-hmm. C'est-à-dire, je peux... grâce à ces chiffres aussi stupides que cela, ces informations banales, je me rapproche du spectateur. Il ne peut pas éviter de se comparer avec moi, avec ce qu'il voit. Elle a 42 ans. Moi j'en ai 39. Moi j'en ai 22. Ça, c'est dans le projet de réactivation du spectateur. Enfin, vous êtes spectateur. Réactivation de sa propre, position, de cette conscience qu'il est spectateur. Continuellement. Hein? Alors, avec Jérôme Bel, tu voulais faire une pièce de danse. Ouais. Tu t'étais dit, bon, finalement, si on réduit tous les paramètres constitutifs d'une pièce de danse, il faut des corps, il faut de la musique, mais il faut de la danse aussi. Oui. Alors, nous avons échoué. Voilà, merci, au revoir. Deuxième échec. Ça ne sera pas le dernier. On n'a pas réussi, effectivement. On n'a pas réussi parce que, comme toujours, on s'est intéressé à autre chose, quoi. C'est un peu les cancres qui regardent les oiseaux. Bah. C'est là, ouais, des prévères. Non. On n'a pas réussi. On a produit autre chose. Alors, on a produit à l'inverse, si tu veux. Moi, ce qui m'a intéressé, enfin, formellement, ce qui a été intéressant dans Jérôme Bel, c'est que, donc, comme j'ai dit, on voulait partir de zéro pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le truc est de plus en plus compliqué et riche. On a fait moins 1, moins 2, moins 3. C'est-à-dire que, à la place de partir de ce corps comme ça, posé là, dans l'espace et dans le temps qui bougerait, on est rentré dedans et on a regardé ce qui se passait à l'intérieur. Et j'ai trouvé, bizarrement, j'ai réussi, je sais pas, à trouver des trucs, comment montrer l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'effectivement il y a la scène célèbre, célèbre en tout cas. C'est vrai, même pour moi, quand j'ai pensé un peu comme ça, mais c'était une telle logique dramaturgique que j'ai eu aucune hésitation. Et puis, si tu veux, j'avais vu toutes ces vidéos des années 70 et des choses comme ça, donc ça te... Je me rappelle même, figure-toi qu'il y en avait un qui m'aidait beaucoup quand je commençais à m'angoisser, c'était la pisseuse de Picasso. Picasso a fait la pisseuse, donc je ne veux pas, moi je ne me ferais pas pisser les interprètes, voilà, tu vois. Bon, à part que c'était en vrai, tout ça. Et que ça provoquait des rêves, une violence inouïe. Oh, pardon. Pas vraiment. Si, non, tu ne sais pas taper toutes les tournées. Enfin. Non, justement. Ou dans quelles circonstances? Bah, je ne sais pas, dans pratiquement plein de spectacles, les gens s'éjectaient de leur siège. C'était... Alors, nous, c'était notre grand jeu de mots, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais si tu veux... Il tenait, puis là, c'était trop, en fait. Mais je les voyais, j'attendais, moi. Je regardais, au bout d'un moment, je regardais plus la scène, je me disais, qui est-ce qui va? Et tu voyais des gens, je me tapais le médecin, mais qui est... Mais une décharge physique comme ça, de l'insupportable. C'est insupportable. Est-ce que c'est après ce spectacle-là qu'en Irlande... Moi, je m'en suis pris plein la gueule, hein, quand même. Je veux dire, moi, je m'en suis... En Irlande, il y a toujours le procès, toujours. On va jouer, mais c'est une tournée récente, ça, c'est il y a 2 ans. On a été invité avec Jérôme Bel à Dublin, donc ça fait belle lurette qu'on s'est tapé toutes les capitales d'Europe. Hein. Et je savais, et moi je voyais sur la carte, on regarde la carte, on dit bon tiens, où est-ce qu'on n'est pas allé tatatique? Et je fais ah l'Irlande, on n'a pas fait l'Irlande. Et puis je connais la situation de l'Irlande, avortement interdit, catholique. C'est normal que Jérôme Bel n'y aille pas. Enfin, on a toujours des problèmes plus importants dans les pays catholiques. Hein. Le sud de l'Italie, c'est la catastrophe. Donc, finalement, Festival international de danse à Dublin, le premier, avec Cunningham, ce qui n'était jamais venu. Donc, bon, il avait un retard. Et on y va, et je me dis, ça va être... je préviens les acteurs, je dis, ça risque d'être chaud, vu la situation. Enfin, on la connaît. Et tout se passe très bien. Il y a un type qui part justement à la piste, comme je vous l'ai décrit. Je dis, bon, ça va. Personne d'autre ne moufte. Et ensuite, je vois le directeur du théâtre qui me dit, il voulait un téléphone, il voulait appeler la police. Et je fais, ah bon, il a appelé. Il me fait, non, on l'interdit. On ne l'a pas donné le téléphone. Et le type a poursuivi le festival dans les semaines qui suivaient. C'est allé jusqu'au Parlement, la Cour suprême, je ne sais pas ce qu'ils ont là-bas. Et heureusement que ce n'est pas nous qui l'ont poursuivi, hein, ça c'est le festival. Comme quoi, ce qui était annoncé n'était pas suffisamment clair. Non, surtout le type, je m'en tiens aux informations que j'ai pu lire sur le net. Le type intente un procès à ce festival. Au nom d'un argument qui est qu'il a payé pour aller voir un spectacle de danse, c'est ça. Et que ce qu'il a vu n'est pas de la danse, en s'adossant à la définition que donne de la danse Whitehead ou je ne sais plus quel philosophe, philosophe anglais. Et voilà, c'était la forme d'argumentation. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Moi j'ai toujours ce souvenir de ce type qui a essayé de me casser la gueule à Marseille. bah, on joue à Marseille, donc un des premiers, et ça s'est très très mal passé. Et donc là, ça se passe mal, et il y a un... Bon, peu importe, enfin, tant pis, c'est comme ça, c'était pas la première fois, et ça allait pas de la dernière, et on va dans le bar du théâtre, et à ce moment-là, il y a un type qui traîne, que j'avais pas remarqué, et qui vient vers moi, et fait « Vous appelez Jérôme Bel », donc il repère que c'est moi Jérôme Bel, et là, il me frappe. Et tu as pu esquiver le coup? Bah oui, plus ou moins, heureusement, mais surtout ce qui me... Enfin, j'étais sidéré, je comprenais pas, quoi. Et après, j'ai parlé avec le mec, je lui ai dit, calmons-nous, et en fait, c'est ce que je fais souvent, j'essaie de récupérer leur... tous ceux qui demandent d'être remboursés, tu vois, je leur dis non, je te rembourse pas, mais viens boire un verre de vin, si tu veux, au bar. Et donc, je fais le post-spectacle, on récupère la haine, et surtout, il parle, si tu veux. Il parle et tu comprends pourquoi. Et lui, c'était simple, il était... Le corps était sacré. Et je fais, bah oui, je suis pas d'accord. C'est pas, non, il n'y a rien de... Ah bah, j'y crois. Enfin, pour moi, il n'est pas sacré du tout. Et donc, c'est à ce moment-là, si tu veux... Enfin, pas à ce moment-là, mais un peu avant, avec toutes les réactions, je me suis aperçu que... On avait... Que ça pouvait être que des danseurs qui pouvaient faire ça. Dans le sens où, justement, on a cette conscience, en tout cas cette pratique. Et c'était ma question. C'est un instrument. Mm-hmm. C'est notre instrument. Donc, pour nous, il n'est pas sacré. Je veux dire, combien il fait mal et combien il aussi provoque de la joie. Je veux dire, de danser une bonne danse au bon moment, quand tu es bien, c'est vraiment d'extase. Hein. Mais c'est cette connaissance, cette connaissance du corps qui fait que, bon, c'est un... Allez, mon gars, voilà, enfin, un ami à qui on a confiance et qu'on sait à peu près... et il n'y a pas ce côté sacré. Et ça, c'est les... Voilà, donc j'ai très vite compris que c'était ça, en fin de compte, qui posait problème. Et les catholiques... Et puis culturel, quoi, tu vois, tu vas dans la Méditerranée, c'est problématique, tu vas en Scandinavie. En Scandinavie, ils trouvent Jérôme Bel, ils se la pètent de rire. Ils rigolent depuis le début, comme ça. Non, mais vraiment, c'est la comédie. Et tu vas dans le sud de l'Europe, c'est genre la tragédie. Le même spectacle. C'est une tragédie, c'est la souffrance, le corps comme endroit du péché. En Scandinavie, le corps comme... Bon. Enfin, comme... ce qu'ils veulent, enfin, il n'y a pas de... Je voulais juste rajouter quelques éléments. Le premier, c'est une chose dont je n'ai pas parlé, qui est le moment historique où la pièce a été faite, qui est donc 93-94. Et qui a un lien évident avec ce moment historique qui est le moment du sida. Je pense que la pièce était une manière pour moi d'essayer de trouver un rapport au corps qui n'était pas un rapport sexuel, puisque ce rapport sexuel, à ce moment-là, et d'ailleurs toujours pour le coup, était dangereux. Donc toutes ces actions qu'on fait avec le corps étaient une manière de rentrer en relation, de s'occuper, de penser, de travailler, de sentir son corps hors de la sexualité. La deuxième chose que je voulais dire, c'est cette importance de la faiblesse, de la vulnérabilité dans la pièce. Si on regarde un peu attentivement la pièce, on s'aperçoit que y a une production de sens, d'effets, mais pas en rajoutant des choses, pas en augmentant, mais au contraire en diminuant. Et ce qui est très visible vers la fin de la pièce, où c'est en enlevant des lettres, à des mots qu'on va trouver d'autres mots. Ce n'est pas en rajoutant d'autres mots pour faire plus de sens, mais au contraire en enlevant. Comme aussi, évidemment, la scène de l'urine, où c'est le corps qui se vide en laissant tomber, qui va permettre de faire du sens, de produire quelque chose. Ça, c'était très important. L'autre chose, c'est l'explication du titre, Jérôme Bel. Tous les participants, performeurs, éléments qu'on utilise dans la pièce sont nommés du nom ou de la personne qui est là, ou de l'inventeur de la musique, ou de l'éclairage. Donc ça me semblait normal que le titre de la pièce soit mon nom, puisque c'était moi qui mettais ces éléments ensemble et qui allait créer un objet, qui est ce spectacle. De plus, pour finir, Jérôme Bel, ça voulait dire que c'était une vision personnelle et subjective, là en l'occurrence du corps. C'était pas le corps. Par exemple, ça aurait fait un titre très différent si j'avais appelé ça le corps. Non, c'est Jérôme Bel, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je pense de ce que peut être le corps aujourd'hui. C'est ma vision, elle est subjective et au spectateur de la partager ou pas. Voilà. Voilà, c'est tout.